Alors, bienvenue à l'émission en acoustique avec Cédric. Donc, c'est un truc simple. Hein. On est là, ensemble, on fait de la musique. Tous les styles musicaux sont réunis. Pop rock, jazz, soul, reggae, tout autour de l'acoustique. Est-ce que le groupe Mail est prêt? Yes! Fallait pas me chanter ton amour tout l'été, habillé en cigale sous les feux de Bengale. J'aurais dû résister à tes roulements de tambour sur ton cheval trop blanc, et puis foutre le camp. Mais quand même, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Un grand merci à Cédric. Voilà, c'est la première fois qu'on vient jouer ici. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, nous jouons le 24 février au Tempo, métro Brochamp. Voilà, c'est un samedi soir et entrée libre, soyez les bienvenus. Merci encore. Bravo à Maëlle, s'il vous plaît. Et comment s'appelle la scéniste? Comment tu t'appelles? D'accord, mais comment tu t'appelles? À moi, Alexandra. Alexandra. Est-ce que vous voulez qu'Alexandra joue un truc? Seule. Alexandra, 2 secondes, Alexandra. 2 secondes. J'appelle le groupe suivant qui se met en place, et pendant qu'il se met en place, il joue un petit truc. Alors, Alexandra, s'il vous plaît. Ah, Alexandra. Ah, Alexandra. Ah, Alexandra. Ah, Alexandra. Alors, Belen Ferry se met en place. Allez-y, mettez-vous en place, tranquillement.
elle va juste nous faire un petit truc sympa, un truc court, hein, qui dure même pas une minute. Bravo. Bravo, bravo. C'était du bac. C'était du bac. Hein. Je ne l'avais pas reconnu personnellement. Je vais être honnête. Bravo. On en parlait un petit peu avant. Tu as commencé à te à baigner musicalement grâce aux rencontres d'Astafor. Oui, alors c'est vrai que ça a été un peu précurseur du projet, puisqu'avant je chantais des reprises. Ça, c'était en, ouais, il y a presque 10 ans. Et début de Maëlle. Voilà, c'est un peu la naissance de Maëlle. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire. Les rencontres d'Astafor, c'est ça. On écrit, on compose à plusieurs. Avec Francis Cabrel. Alors, Francis, c'est tout dans le coin. Ouais, ouais, il est là. C'est son village. C'est son. Ah, enfin, près d'Agen. Hein. Voilà, c'est à côté d'Agen, exactement. Donc, super, super condition pour travailler. Et voilà, ça a été vraiment les prémices de mes premières compos. Et c'est là que sont nées voilà, plusieurs chansons que je peux encore chanter sur scène maintenant. Alors, quel thème tu abordes dans tes chansons, justement? Alors, ça dépend, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup des petites choses de la vie qui me font flash. Ça va être, voilà, la vie en général, bon, l'amour, évidemment, mais ça va être des petits clins d'œil comme ça qui vont me toucher et ça va donner une chanson, voilà. Et dans ta bio, il paraît que tu as un sacré tempérament. Donc, tu n'es pas la chanteuse la la la. Alors, peut-être que je suis pas la chanteuse la la, effectivement, je pense que j'ai un peu de caractère. T'as du caractère. Il faut savoir vivre mais avec moi. Mais t'es quand même en tailleur le dimanche, tu passes... Voilà, tu ça m'arrive. Alors, quels sont tes projets à court terme, à long terme? Alors, en fait, bon, là, j'ai retrouvé des musiciens qui m'ont accompagné ce soir, avec qui ça se passe très bien, avec qui on travaille avec ferveur. Et donc, on travaille les répétitions au Centre Barbara. Dans le 18e, hein. Donc il nous accompagne beaucoup pour avancer sur le travail technique et puis un projet d'album aussi. Voilà, on a déjà enregistré quelques titres en prémisse d'EP, voilà, donc un EP, donc c'est sur la bonne voie. Écoute, on te suivra. C'est gentil, super. Merci Maëlle. À bientôt. Et on retrouve Cédric. Alors on applaudit bien fort Belen Ferris qui se met en place. Et comment s'appelle son guitariste? Jonathan. Voilà, alors Belen Ferris et Jonathan se mettent en place gentiment. Alors voilà, on est content d'être là ce soir. On va vous interpréter deux morceaux. Le premier, ça va être une chanson calme et c'est un hommage à une amie qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. À l'heure où les gens sortent s'amuser, moi je monte dans ma caisse, je vais bosser. À la ville comme à la campagne, tous les jours c'est le même bal. On me prend, on me jette, je suis une vraie girouette. Je m'installe avec elle dans un lieu calme. J'essaye d'être coquette mais je me damne. Ils arrivent d'un pas souvent lourd et pas pour me parler d'amour. Et terminent leur affaire dans un râle sourd et j'ai mal dans ma camionnette, ma camionnette, ma camionnette. Peu importe l'heure ou l'endroit où je me trouve, le client, c'est le client, les portes s'ouvrent. Il me regarde me travestir et je n'en ressens aucun plaisir. Moi je n'ai qu'une envie, c'est de les vomir et de fuir dans ma camionnette, ma camionnette, ma camionnette. Et pourtant parfois je rêve, sait-on jamais, de rencontrer un visage qui m'aimerait. Celui qui pourrait bien me sauver, avec qui je pourrais partager des jours et des nuits, pas seulement à rêver, mais je rêve dans ma camionnette, ma camionnette,
ma camionnette verte. Où sont passées toutes mes illusions quand je pensais que le monde était bon? Mon bouclard aujourd'hui c'est devenu mon camion à con. Viendra une nuit où je saurai quoi faire. Elle et moi, on sortira de la galère. Je ne laisserai dans mon sillage qu'un peu de goudron sur mon passage. Débarrassé des connards, leurs états d'âme rien à branler. Dans ma camionnette, ma camionnette, ma camionnette verte. Et je n'emporterai aucun bagage et ce sera mon dernier voyage. Na 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 na. Ma camionnette, ma camionnette, ma camionnette verte. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était Belen Ferris, voilà, vous pouvez nous retrouver. Et je vous présente Jonathan Malnouri, mon musicien, compositeur. Bon là on était à deux, il y a l'album qui est en préparation avec la totale, les cuivres, les batteries, tout ce qu'on veut, les pipeaux et mollo. Et voilà. Merci à toi Cédric. Merci à Belen. Et merci au China, merci Ferris, à Cédric de nous avoir accueillis. Merci à tout le monde. Alors, cool. J'aime bien ton univers, c'est comme ça, il y a de la pêche comme ça dans la ce que tu fais. La pop mood. Pop mood, c'est toi qui as inventé ce style ou pas? Bon, on peut dire ça, oui. On a appelé ça parce que tout l'album, c'est vraiment la chanson d'humeur avec des petits coups de gueule, des choses un petit peu humoristiques, parfois un petit peu plus sérieuses. Et puis voilà, c'est des traits d'humeur. Lunatisme chanté. Auteur, compositeur, interprète. Oui, je suis auteur, j'écris mes textes et je fais les musiques avec bravo Joe. Bravo à Belen Ferris. Bravo à son guitariste. À bientôt. Je suis avec Belen Ferris et son musicien. Alors j'espère que je ne vais pas vous faire chier. A priori, ça devrait aller, c'est bon, tout va bien. Non, je dis ça parce que c'est une chanson. Tu me fais chier, bordel. J'ai une chanson qui s'appelle Tu me fais chier, bordel, exactement. Mais comment tu sais? Il se passe plein de choses sur Internet. L'univers, c'est ce qu'on a appelé, en fait, on a baptisé ça de la pop mood. C'est de la chanson d'humeur, c'est l'humeur populaire en fait, du peuple, l'humeur du peuple. Quand tu te lèves le matin, quand tu vas à ton boulot, que t'en as marre de ton patron, que tu prends les transports le soir et que tu rentres chez toi. Voilà, il y a toujours plein de choses à dire. Et donc c'est sympa, je trouvais plutôt sympa d'écrire des chansons sur un peu la vie quotidienne avec un petit fil conducteur qui est quand même le rapport. Et bourré d'humour, tout court. Il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi de la colère, des fois ça balance. Il y a des petits textes au vitriol comme ça, parce que j'aime bien un peu pousser mes petits coups de gueule. C'était un peu provocatrice. Bon, on peut dire dans ça, bon ouais, si. Mais j'espère, en tout cas, dans le bon sens du terme. Ouais. Bien sûr, donc, une jolie écriture. Et d'ailleurs, un album qui est version érotique. Oui, c'est ça. Qui est en préparation. Exactement. Donc la majeure partie des titres sont maquettés pour la plupart. Maintenant, on est sur le mixage, sur l'affinage, les derniers arrangements. Enfin voilà, ça vient quoi. Pour une sortie prévue. Pour le moment, c'est le plus tôt possible, on va dire. Et puis voilà, donc c'est un album qui aura une palette très large entre des moments très calmes et très doux et puis très enragés quoi. Voilà, cette différence. Quelles sont les influences? C'est tout et tout et n'importe quoi. Ah oui, tous les styles. Il y a plein de choses. Bon, c'est en grande partie pop, ça vient aussi pop populaire et pop rock quoi. Donc il y a du rock, de la pop, du folk, une grande tendance pop folk avec des instruments exotiques des fois. Il y a une grande tendance espagnole, enfin hispanique, en espagnol aussi. Voilà. Oui, parce que je suis d'origine espagnole, donc oui, effectivement, j'ai tenu à avoir des morceaux en espagnol aussi qui rappellent un petit peu mon côté latin.
Voilà, avec sanguin presque. Sanguin, c'est ça. Donc avec des morceaux à consonance hispanique qui peuvent être à la fois sud-américaine ou salsa, même cubaine. Enfin, c'est. Ah oui, c'est. Ouais, c'est on se barre, quoi. On s'amuse bien. Peut-être avec un côté un peu électro aussi. Exactement. Il y a des morceaux électro et il y a des morceaux qui tirent sur le symphonique où on a mis derrière une simulation d'orchestre. Voilà quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des concerts de prévus Alors, on vient d'en faire un, hein, de concert. C'était le 15 janvier à la scène Bastille. En fait, donc Joe était avec moi, mais j'étais pas toute seule, parce que Joe fait partie d'un groupe qui s'appelle Accords et âmes, qui a gagné le 6 décembre dernier l'émission sur France 2, La Grande Battle, qui était présentée par Nagui. Donc, j'ai la chance d'avoir mon compositeur et mon musicien parmi les membres du premier choix du groupe. Voilà. Exactement. Donc, voilà, j'ai eu la chance de faire un concert avec eux le 15 janvier. Et là, pour l'instant, on est en train vraiment de finir l'album et de préparer ensuite, appeler tous les musiciens, faire des répètes avec une formation un petit peu plus large sur scène. Voilà, pour pouvoir faire un concert. La date, je ne l'ai pas encore, mais incessamment sous peu. Et on peut retrouver toutes ces infos sur un site, j'imagine. Alors, le site, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur Facebook. Pour le moment, le site, il est en cours. Construction. En construction, exactement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, puisqu'il est là, on va réactualiser les choses, on va tout mettre dessus. Là, pour l'instant, c'est Facebook. Et, il faut suivre. Et via l'association Best Even Productions, de laquelle... laquelle je fais partie, donc qui organise des concerts et qui fait aussi tourner des artistes, pour laquelle j'ai beaucoup beaucoup tourné. Donc il y a pas mal d'infos également sur moi, sur Joe, sur pas mal de musiciens, pas que moi, mais pas mal, une palette de musiciens assez large qui ont bossé avec nous sur cette assoce. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous. Merci à toi. On se retrouve sur scène, j'imagine, très vite. Voilà. Mais j'espère. On retrouve Cédric. On va recevoir maintenant Nils, qui va venir ici nous faire découvrir son univers. On va voyager encore. Hein. Parce que je vous ai dit que vous alliez rentrer chez vous bronzé. Donc Nils, you're welcome. Mets-toi à l'aise, prends ce que tu veux. T'as besoin de quoi? Tu veux un micro? Un jack? Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Alors, nous c'est Nils. Voilà, on a un album qui est sorti tout récemment au mois de janvier. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Nils Project. Donc Tomek à la guitare ce soir. Merci. Et le premier morceau s'intitule Damien. Do you remember we're making a world on the campus stairs? Talking about girls, love, music, all the passion we shared. In our team, you were the leader, always talking positively. And even today, you still inspire me. You were the best of us, why did you have to go? I need some answers, cause I really don't know. Are you still up there protecting us your own way? I want to believe so for you, I pray. I was believing when gigs you were already on pro, performing with the family. On the groove of your roots, singing your identity. Today I pray on the memory of the lost son and brother. Pens inside, but the face is growing stronger. Hey, you are the best of us, why did you have to go? I need some answers, cause I really don't know. I sit up there protecting us your own way. I want to believe so for you, I pray. I pray. With my hands toward the skies. Hey, hey, you were the best of us. Why did you have to go? I need
need some answers, cause I really don't know. Are you still up there protecting us your own way? I want to believe so for you. I pray you are the best of us. Why do you have to go? I really don't understand. I'm sure still up there. So for you I pray. So for you I pray. So for you I pray. Merci. Tomek à la guitare. Bravo Nils, comment il est? Bah, elle est là, tranquille même. Bien. Bon, alors bravo à Nils, hein, franchement. Merci. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit voyage qu'il nous a offert. Bravo. Merci. Donc tu viens des îles, moi aussi. Hein. Bon. Donc on a apporté un peu de chaleur à Paris. Moi c'est la Martinique, lui c'est la Réunion. Voilà. Alors, Nils, je suis avec le groupe Nils, Nils Project. Donc Nils, c'est un album qui vient de sortir, Voyageur. Alors quel est l'univers de Nils? Alors l'univers de Nils, c'est tout d'abord beaucoup de mélange, parce que moi-même je suis de La Réunion, Tomek est de Pologne, et on a vraiment voulu se faire plaisir dans ce projet en mettant un peu toutes les influences qu'on aime bien, donc on va dire pop pour résumer, mais il y a du jazz, du reggae, de la funk, voilà, on s'est fait plaisir. J'ai même vu qu'il y avait de la pop world, qu'est-ce que tu entends par pop world? Alors bah, il y a un morceau, deux morceaux, on va dire, qui sont vraiment influencés reggae, qui sont chantés en français, donc accessibles à tous, mais avec vraiment une vraie connotation, voilà, avec des rythmes exotiques, on va dire. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux là? On s'est rencontrés sur Paris. Dans une scène parisienne. Ouais. On avait l'occasion de travailler ensemble dans un groupe franco-polonais. C'était un groupe rock, on a joué 3-4 ans ensemble. Et après, on a décidé de faire notre projet à part. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait une autre formation? Il y avait des formations, mais Nicolas, boulot, il est batteur. Je suis batteur à la base. Ah oui, ouais, voilà. Donc, je chantais, je faisais des bacs dans ce groupe-là. Je faisais les chœurs, la batterie. Et moi, j'ai toujours chanté comme ça pour mon plaisir. Mais c'est vrai que là, c'est sur ce projet que je suis vraiment passé devant, en fait, au chant. Alors Nils Project, comme j'ai dit en préambule, c'est un album Voyageur. Quels sont les projets à court terme pour Nils derrière l'album? Il y a une tournée? Oui, alors je suis en train de me préparer une petite tournée à La Réunion cet été. On va certainement tourner en Pologne aussi. Et puis là, depuis quelques mois, déjà on tourne sur Paris, on fait quelques concerts. Donc là, on n'a pas encore de date de fixer, mais sur le site internet, donc nilsproject.com, ou sur Facebook, pareil, Nils Project, vous pourrez trouver les dates tout à fait bientôt. Écoutez, merci les gars. Merci.